Nous sommes sur la ferme aquaponique Acra, qui se trouve à Guyon, donc qui est un centre de recherche privé au niveau de l'aquaponie. Je suis Patrice Astre, donc président de l'association toulousaine d'aquaponie. Et je suis également ancien pisciculteur pendant près d'une trentaine d'années dans le Lot-et-Garonne. L'aquaponie, c'est un système extrêmement écologique, effectivement, parce qu'on travaille en circuit fermé, on consomme quasiment pas d'eau, c'est d'ailleurs ici, c'est de l'eau du pluvial. Ensuite, on va élever nos poissons, les rejets des poissons vont être filtrés par un lit bactérien, épurés, et vont servir à nourrir la production végétale. Et ensuite, on a un retour aux poissons. Donc avec ce système-là, on ne va pas utiliser d'antibiotiques, on ne va pas utiliser de produits de traitement, on n'aura pas de rejet dans le milieu extérieur, tout en ayant une production importante. Elle est magnifique. Ouais. Autre élément qui est important, c'est qu'on peut positionner nos fermes dans des zones qui n'ont plus de vocation agricole, des sols artificialisés. On peut aussi utiliser les calories, les basses calories de rejets de méthaniseurs ou de différents rejets de hubs industriels, hubs informatiques, de différentes zones qu'on peut trouver en ville. Finalement, on allie une production importante, une production de qualité, et une production finalement qui a besoin de très peu d'eau, qui ne pollue pas l'environnement. C'est quand même assez spectaculaire et c'est ce qui me provoque mon enthousiasme pour cette activité.